J'ai pas à tout refaire. Ah, on est sauvé. Alors, il veut me parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? Info. Que veux-tu? Pourquoi tu m'as fait signe? Zalinas veut te parler. Il semble énervé par quelque chose. Bah, il est où? Est-ce que tu as vu Zalinas? Ulokai, je crois l'avoir vu dans le sud-est, mais maintenant, je sais plus. Ok. Alors. Sud-est. Donc là, c'est le sud. Et là, c'est l'est. Donc le sud-est, c'est par là. Zalina, c'est pas celui qui allait. C'est pas celui qui a les Tuon A. Il me semble que c'est celui qui élève les Tuon A. Hein. Je suis pas sûr, mais. Il est là-bas. Regardez, il est là-bas. Pourquoi il est vénère? Pourquoi t'es vénère? Je file, c'est bien l'auteur du. Ah bah bon jeu, amuse-toi bien. Et puis bah c'est cool d'être resté d'être resté pendant la pause, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi ton problème? Y a un problème? Oui, Ulokai, les yachts soient loués, tu es venu m'aider. Mes amis Tuon A sont en danger. Qu'est-ce qu'il y a? 5 méchants gamors sont sur leur territoire à l'est du village. Tu dois aller les sauver. Je te récompenserai, bien sûr. Résumons. Tu veux que je à sauve plus, tes bonne amis soirée. En tuant d'autres animaux. Oui, c'est ça. Vas-y vite. Très logique. Ah mais c'est ouf. Ah c'est ouf. Je sais pas où c'est moi ta connerie. Ok. Alors, c'est long quand même. Re-Twinsen.
Attendez, il y a toujours les petits trucs là à récupérer. C'est long, mais ça file du stuff. Oh, mais ça y est, je commence à me faire touiller par les quêtes secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a déjà plein de ressources. C'est quoi ça? C'est quoi le chien là? Ah putain! L'enfoiros! Ils sont combien? Ils sont combien ces petits enfoirés là? Ok, et dans un de moins. Allez les dogos. Allez les dogos, on meurt. Putain, les enfoirés. Ah oh, les chiens. Ah, il met du temps à mourir. Hein. C'était quoi? Non, ça c'est GameSav. Je me suis soigné ou pas? Un tir anorexique. Ouais, non, c'est clair, ils ont l'air un peu malnutri quand même. Il y en a encore un là. Il est en train de me prendre à revers ce petit con. Allez, viens par là. Viens par là, petit merdeux. Allez. Un de moins. Un de moins. Bon là j'ai étoile A. C'est quoi là-bas? Encore les toutous chiens ou c'est des mecs? Ah voilà. Les méchants. On va tuer les méchants. Le son du jeu est faible. Ouais, alors ça dépend des choses en fait. Mais je peux monter, ouais. Quand il y a les dialogues, après c'est super fort en fait. Et vu que j'ai commencé par les dialogues... Merci encore hein, pour le raid auto. Je sais pas si t'étais là quand
quand je l'ai dit, mais merci beaucoup. Alors, les petits sacrés. Ah ouais, mais on peut pas remonter là, c'est chiant. Le mec qui sait pas escalader 2 mètres, franchement. C'est un peu relou. Ils sont un peu plus là. Il m'a vu ? Il m'a vu ou il m'a pas vu ? Mais putain, mais. Twins, mais t'es méga relou, Twinsen. Oui, je mets du temps à finir les jeux. Et voilà, j'aime prendre mon temps dans les jeux en fait. Je suis pas un speedrunner dans l'âme. Dans le seul jeu que j'ai speedrunné, c'est. C'est merde, comment ça s'appelle ? Je vais retrouver. Putain, le jeu avec la musique de Fête Foraine là. Ah, si vous arrivez à trouver avec cet indice, chapeau. Electronic Super Joy. Voilà, le seul jeu que j'ai speedrun, c'est Electronic Super Joy. Mais pour les autres, j'aime bien faire les quêtes secondaires, j'aime bien prendre du temps, j'aime bien observer les trucs. J'aime bien parler avec les personnages non-joueurs. Donc oui, effectivement, le jeu que j'ai commencé hier n'est pas encore fini. Effectivement. Bientôt un succès. Bientôt un succès, les enfants. Le succès, baiser toutes les araignées du monde, quoi. Ouais, je l'ai eu. Ah, pour la progression. Ah, bah... Ah, j'ai plus de munitions. J'ai plus de mun. Hein ? Merde, j'ai plus de mun. Comment je fais ? Ah, ça craint ? Ça craint ? Falloir que j'aille en acheter chez le forgeron là. Chez Hakim, le fils du forgeron là. En même temps, c'est vrai que j'ai bien bourré quand même sur les. j'ai bien bourré sur les munitions. Et donc, ouais, non, c'est où on en est pour sur la progression. Alors, on est au tout début du jeu. Il y a encore toutes les autres zones à aller. À aller visiter et tout, donc le jeu, ouais, c'est une vingtaine d'heures, hein. Donc on n'y est pas du tout, quoi, à la fin, clairement. Là, vous avez encore une bonne dizaine de jours à vous faire chier avec moi, quoi. Et en plus, comme vous avez vu, le personnage va à une vitesse à démentielle. C'est pas un sprinter, hein. C'est vraiment c'est vraiment le marathonien, quoi, Cutter Slide, hein. C'est il comme moi il prend son temps. Range ton arme, toi, va pas faire peur à tout le monde. Alors
5, 6. S'il vous plaît, monsieur. Allez, je suis fou. 6. Ça suffira ? Oui, je vais pouvoir faire ce que tu me demandes avec ça. Laisse-moi un peu de temps. Comment ça, laisse-moi un peu de temps ? Tu as fini ? Non, laisse-moi encore un peu de temps. Oh là là ! La version 1.1 se termine en speedrun en 49 minutes. Ils sont meilleurs que moi, c'est fou. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux fabriquer ça ? Oui, Urukai, il faudra que tu m'apportes ces objets. Je fais quoi en attendant, moi, là ? Je vais aller parler à l'autre, là, ça se trouve je l'ai faite, sa quête, là. Il en restait encore plein des merdiers, là, mais... Ah, je me rappelais pas que les munitions, par contre, c'était... C'était une denrée rare dans le jeu, quoi. J'avais pas une clé aussi ? Il est où le zoophile ? Il est là-bas. Mais t'en vas pas ? T'en vas pas, je veux te parler. Oh là là, t'en vas pas, je veux te parler. Vas-y. S'il vous plaît, monsieur. Ah, voilà. Voilà. Je t'ai débarrassé des gamors. J'espère que tu n'as tué aucun de mes amis. J'ai fait tout mon possible. Parfait. Dis pas ça, t'en as tué aucun. Et maintenant, ta récompense. Allez. La thune. Merci. Alors. Dis-moi, Zalinas, combien coûte un de tes Twonha ? Allez. Tu veux adopter un Twonha ? Comme c'est gentil. Oui, c'est gentil. Sais-tu pour... Combien ? Tu le traiteras comme... Oui. Et tu lui... Combien ? Oui. Et tu lui donneras son bain ? Il faudrait vraiment une lana, Zalinas, et vite. Pourquoi tu... Pour rien. Cela ne te coûtera que... Combien ? Putain. Ok, 280. J'en prends un. J'espère qu'il deviendra ton meilleur ami. Ouais, j'espère aussi. Ah oui, tant que je ne meurs pas de faim. Pourquoi ils m'attendent derrière, là ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je plaisante, Zalinas. Ça te tient vraiment à cœur, hein ? Ils sont toute ma vie. Voilà son Guy. Il aime qu'on lui chante des chansons. Génial, merci. Où est-il ? Dans l'enclos, au centre du village. Ok. Ils m'attendent, hein. Ils n'ont rien à me dire. Dans l'enclos. Ok. Mais il est où le merdier ? Non, c'est pas ça que je veux. Oh, cette interface, quoi. Cette interface. Là, il y a quoi ? Voilà. Alors, les proxys, le UBI. Le medikit, le game save. Une clé du Thunder, le Guy acheté, voilà. Le Guy moqué. Hop, donc j'ai son machin là, j'ai son doudou. Viens par là. J'ai ton doudou. Regardez ça, comment il est gentil. Une fois que j'ai son doudou, je fais quoi ? Hop là ! Et étonnamment, on va vachement plus vite maintenant. Et ouais. Alors, on va parler à machin. Tu as fini ? Oui, Urukai.
Merci. Merci. Et j'ai fière allure, évidemment. Je vais lui demander d'en fabriquer. Approche un peu, tu veux ? Allez, vas-y. Ça suffira ? Oui. Allez. Viens par là. Viens par là, mon bestiau. Trop bien. Par contre, ça a pas l'air super stable, ces merdiers. Hein. Je peux aller tout doucement avec. C'est Yoshi. Ah putain. Non, parce que contrairement à Yoshi, on le tue pas. Et regardez. Regardez ce que je peux faire. Je peux buter des trucs et des machins. Depuis mon bourrin. Ça, est-ce que c'est pas cool? Merde, il y en a encore. Allez. Allez. Saute. Super. Tu es le meilleur Twana que j'ai jamais connu. Et quand j'ai regardé un petit... On dirait un canard mule. Pouic. Coucou Melzeke. Ouais, bah oui. Oh là là. Coucou Melzekiel, désolé. J'ai bugué, je me suis dit oui c'est elle, c'est pas elle. Et j'ai réussi. Hop. Je vais me faire griller à 12 km avec les... Regardez. Oh là là, ouais. Oh, qu'ils sont cons. Il est où l'autre? Merde. Oh! Il y avait un truc qui explose. Trop bien. Ah, j'ai ma réputation qui augmente, c'est bien ça. Coin coin à tous. C'est qui lui? C'est un méchant ou pas? Putain ouais, c'est des méchants. Putain les connards. Ouf. Et oui, c'est le chef lui hein. Hey, ils sont plus coriaces, j'ai l'impression. Hop, un de moins. Je vais niquer toutes mes balles. Bah voilà. Hop. Encore des salauds en moins.
Ah, il a du temps à crever, lui, hein. Hein ? Sort quelque chose. Ok, d'accord. Allez, des ressources. Oh, ce bruit. Hein ? Il grogne. Il grogne. Bon. C'est bien, j'ai accumulé des ressources, je suis content. Maintenant, je vais où? Je vais casser la gueule à l'araignée. Elle est où? Alors là-bas il y a le palais. Ok, j'ai ça. Et une drôle de tête ton cheval. Ah non effectivement. Et puis il fait pas des bruits de. Il fait pas des bruits de cheval normal, j'ai l'impression. Oh là là, il y a un truc qui fait de la lumière là-bas. Range-moi ton flingue, toi. Range-moi ton flingue, bébé. Allez, descends. Je vais parler au mec. Bah non, il a rien à me dire. Il a rien à me dire. Par contre. Comment je peux voir mes munitions? Ah, il faut toujours que je sois du côté gauche. C'est vrai, il m'a dit. Il m'a dit le gars. C'est un cheval avec un. C'est, en fait c'est un. C'est un ornithorynque. C'est un ornithorynque de là-bas. Vous savez, l'animal avec. Avec 12 génomes différents. Merde, il y a les connards aussi là. Ah, ils arrivent, c'est bien. Venez vous faire buter, les gars. Très bonne idée. Oh là là, ouf. Oh, il a rien évité, hein. Clairement, il a rien évité, hein. Il a tout pris. Et ben voilà. Ah, par contre, je suis en train de crever. C'était ça. Hein. Ouais. Hop. Bah, tu meurs toi ou pas là? Merci. Tout de même quoi. Si les ennemis crèvent plus. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Bon, je fais le tour. Je fais le tour de la carte hein. Ouais, c'est quoi le truc là-bas? Ah non, 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 mais je vais pas là-bas, moi. Ah, il y a le mec avec sa sulfateuse, là.
Ça va, quoi. Prendre 2-3 gars en vert comme ça, c'est ok, mais... Merde, 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 ils m'ont vu. Non ? Elle est débile, il voit rien. Ah. Bon, j'ai l'impression que là je peux pas y aller. Mais j'ai l'impression que si j'avance, je me fais bien avoir. Donc est-ce que j'essaie d'avoir les... Oh mais merde, barrez-vous. Non mais je vais refaire le tour. Hein. Y'a personne dans ton jeu, y'a aussi un couvre-feu. Bah, déconne pas pour 99... Pour un jeu de 99, franchement, y'a vachement de NPC je trouve. Et c'est expliqué dans le jeu, au tout début, qui disait que la plupart se sont fait exterminer. Hein. Donc il y a une raison au fait qu'il n'y ait plus grand monde finalement. Oh, je peux faire ça, trop bien. Ah, ils s'entraînent. Je suis en train de déglinguer encore toutes mes balles là pour des araignées de merde. Ok. Je vais essayer de pas tomber dans le truc là. Parce que ça a l'air d'être... Ça a pas l'air d'être super sympa ce qui s'y passe. Qu'est-ce que c'est ? Oh mais c'est juste pour faire peur ça. Regardez. C'est un truc qui peut pour faire peur aux enfants. Mais allez, range ton flingue. Ok, bon. Oh mais regardez cette eau avec les reflets. Dis donc. Ça déconne pas ce jeu hein, quand même. Hein. Ah oui c'est vrai, je peux pas monter par le bord parce que il y arrive pas. Il lui faut des marches. Bien évidemment. Allez, remonte sur ton machin là. Je crois qu'il me fait coucou là-bas. Oh! Allô? je crois que c'est pas, je crois que c'est pas normal.
C'est les chevaux dans Skyrim. Vite, il faut tout faire disparaître. Hein? Pourquoi? Tu t'arrives? Comment ça va? Je suis très occupé. Je dois réparer les dégâts causés par l'accident lors des réparations du temple de Ka. Que s'est-il passé? Nous avons très peur ici. Nous entendons le cri du Gorgor toujours derrière le temple de Ka. Les soldats veulent que nous retournions vite dans les champs. Tout était presque terminé. Les rochers sont tombés et ont bloqué le chemin. Nous essayons de réparer ça avant que les soldats le voient. C'est quoi le Gorgor? C'est quoi cette histoire de Gorgor? C'est une énorme bête cruelle qui dort dans les eaux derrière le temple de Ka. On dit que ceux qui osent le réveiller en entrant dans l'eau ne ressortent jamais vivants. Quand il bouge, il fait un bruit terrifiant. Merde, il y a les autres. Des soldats! Merde! Putain, mais comment ils m'ont vu, ces glandus? Ah, ils faisaient une rune ou quoi? Oh, ça fait chier. Merde. Merde. Oh putain, ils me balancent des un truc de ouf là. Quoi? J'ai plus rien. J'ai plus de balles. Putain, c'était bien le moment. Ok, ça c'est fait. Ah la flip. Et où le gros? Ah il est là. Quoi? Non, je vais pas mourir. Non. C'est quoi ce merdier? Non, viens là toi. Viens là que je te casse la gueule. Allez. Putain. Non mais les autres j'aurais fait peur là du coup. Bon puis je me suis fait peur aussi parce que j'ai vraiment cru que j'allais crever. Hein. Oh mais les munitions ça part tellement vite quoi. Enfin par contre bon en même temps j'ai en même temps j'ai anéanti la moitié de la population d'araignées de la région. Donc bon, forcément, ça joue un peu. Aïe, oh, il s'est... Aïe. Il glisse, il a glissé sur le cul. Quoi? Pas une clé. Merde. Allez la clé. Ok ça c'est bon. Ok ça c'est bon aussi. Ah la concentration. La concentration. Bon. On repart la machin. Alors Gorgor. C'est quoi cette histoire de Gorgor? De Gorgor? Ça, on a déjà ça a l'air dangereux. Oh oui, Ulukai.
Il dort en ce moment, mais on dit que lorsqu'un Talan disparaît, c'est peut-être le Gorgol qui l'a emmené. On raconte aussi que les Talan qui ont mis un seul pied dans les eaux du Gorgor, on ne les a jamais revus. Faudrait peut-être que je vérifie cette légende. Non, Lukai. Tu dois rester vivant pour nous aider à combattre Féran. Ne t'attaque pas au Gorgor tant que tu ne sais pas comment attaquer sous l'eau. Il ne ressent rien, mais il sent l'odeur de ceux qui pénètrent dans son domaine. Okay. Qu'est-ce que je peux faire? Ah non, Lukai. Ne perds pas de temps à réparer nos erreurs. Nous devons le faire nous-mêmes. Ta seule présence nous en ôle déjà beaucoup. Tu es sûr? Oui, je souhaiterais seulement que les iodes nous aident en nous envoyant de la dynamite pour réduire tout ça en poussière. Éloigne tes hommes d'ici. Pourquoi, Lukai? Nous avons beaucoup de travail. Je vais voir ce que je peux faire pour accélérer les choses. Je vais essayer de régler tout ça. Si quelqu'un peut le faire rapidement, c'est bien toi, Lukai. Mais je crois que j'ai plus de... vu que j'ai plus de munitions. Sauvez-vous, Lukai veut faire quelque chose. Vite, il faut tout faire disparaître. Comment je la déclenche la dynamite? Alors. Merde, pas ça. Dynamite. Je l'ai. Je pose. Ah, il faut que je... Faut que je tire dedans, mais j'ai pas... J'ai plus de munitions. Où y a-t-il de la dynamite? Je sais que les compteurs de Rhys du Temple de Fée côté ouest disent avoir vu de la dynamite dans les eaux du Temple de Fée. Mais attaquer dedans? Bah ouais. Bah ouais, pourquoi j'y ai pas pensé? Quel con. Putain, heureusement que t'es là. Hein. Heureusement que t'es là, vraiment. Attends, et, attends, regarde ces connards, ils vont vite, y aller. Il faut tout faire disparaître. Bon. Eh ben, on va retourner chez le marchand. Hein. C'est pas grave, c'est rapide de se déplacer dans le jeu. Putain, ils sont 50 là. Faut que je vienne les tabasser après. Putain, j'entends des trucs. J'entends des bruits. Je vous promets, j'entends des bruits. Regarde, il y a les deux cons là. Il y a des trucs. À... Oh putain, il y a des munitions à côté d'eux là, non? Regardez là, hop. Je descends, puis je vais leur casser la gueule. Hop, voilà. Hop là. Bien. Tiens, il a buté son pote. Non, non, non. Non. Oh, mais non. Oh, mais je l'ai pas sauvegardé depuis des heures. Oh non, me dis pas que je suis obligé de tout refaire. Oh merde! Oh, oh le connard! Oh putain! Oh, je vous l'avais dit que c'était à l'ancienne. Hein. Oh putain, obligé de tout refaire. Oh merde! Je dois te dire quelque chose. Pourquoi tu m'as... Oh là là, oh là, la haine. Oh. Est-ce que tu as vu... Non mais bah faut que j'y pense, hein. Putain, faut que j'y pense à sauvegarder. Faut que je pense vraiment à le sauvegarder, à sauvegarder régulièrement quoi. Oh là là, la cata.
Oh, c'est de la merde. Hein. Oh, jouez pas à ce jeu, c'est de la merde. Hein. On peut se voir un instant? Sais-tu quelles sont les réserves alimentaires de Ferran pour ses soldats? Soldats forts! Parle-moi des armes. Très. Comment est le moral? C'est quoi? Ok. Et non, je ne passerai pas à Loom. Mais c'est bien tenté. Oh là là, mais... Ah, oh, c'est le moment, c'est le moment. Quelle indignité. Vraiment, là. Excuse-moi, mon gars. Tout ça parce que j'y suis allé comme un connard avec mes petits points. Oui, je vais pouvoir faire ce que tu me demandes. Allez, Ok, bon. Attendez, il y a machin qui est en train de se barrer là. Viens là machin. Faut que je te parle. Excuse-moi mon gars. Il y a un problème? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je sais tout, je sais tout. Résumons. Oui. Est-ce que je peux en acheter un? Dis-moi Zalina. Oui. Et tu lui... Oui. Et tu lui donneras son bas. Oui. Il faudrait vraiment... Pourquoi tu... Pour rien. C'est le jeu qui est de la merde, c'est le jeu qui en chie. C'est pas très joli. C'est toi qui est pas très joli. Ok, j'en prends un. Oh, mais attends. J'espère qu'il... Eh, c'est bon, j'ai pris le machin en premier, là. Ah ouais. Mais c'est un jeu 99, Warpal. Je plais. Ouais, c'est ça. Vas-y. Au milieu du village. C'est un jeu de 99 quoi, enfin... t'es pas en train de me dire, oh là là... dis donc... comment ça s'appelle là, le machin où faut tout éviter quoi. Tu as fini? Oui, Uluka. Merci. Oh là là, faut que je refasse tout. Ça suffira? Ouais, ça suffit. Oui. Oh, c'est long. C'est long, hein. Bon, il est où mon machin? Il est là. Eh, machin. Machin. Le Guy, hop. Allez, monte. Mais non, bon, parle pas à truc. Parle pas à l'autre zoophile là. Non, c'est pas lui. C'est... Hein? Allô? Je veux te grimper dessus. Ça veut pas. Je vous jure, je vais péter un plomb. Ça marchait tout à l'heure, ça marche plus. Je suis bien à gauche, je bourre le bouton, il veut pas. C'est pas lui? C'est un autre? Il m'en a filé un autre. Putain, ils sont en train de s'engueuler quoi. Mais non, c'était bien le mien. Non, c'est lui. Non, c'est pas lui.
Oh, ça me fatigue. Putain, j'avais tout bien. Putain, j'avais tout bien fait. Hein. Non mais appuie pas là-dessus, appuie là. Voilà, c'est ça. Et bute tout le monde maintenant. Déjà, je vais commencer par tuer les deux connards là qui m'ont qui m'ont buté. Je vais me venger. je vais me venger déjà. Première chose à faire, une bonne vengeance. Une bonne vengeance, ça vaut un steak. Est-ce que vous le saviez? J'ai pas tapé dans la dynamite, hein. Voilà. Ah bah lève-la mon machin. Putain, il me suit. Mais c'est pas une... Il me suit. J'ai pas... Bah c'est bon. J'allais dire, il veut pas que je lui monte dessus. Mais il me suit comme un connard. Mais non, c'est bon. C'est ok. Alors, maintenant. Allons buter toutou chien. Ils sont où? Et toutou chien? Ils sont là, je l'ai vu. Je l'ai vu le toutou chien. Oh merde, ils sont tous là. Y'a mon cheval qui a peur. Il y en a encore un quelque part. Il est où? Et il est là. Petit enfoiré. C'est bon, je l'ai eu. Musique des chocobos. Hein? Comment ça la musique des chocobos? Comment ça? Ensuite, qui je bute? Oh le mec. Le mec il veut buter tout le monde quoi. Eh toi t'as pris cher. Il tousse. Il a le Covid. Ok, bon. T'es mort toi ou t'es pas mort? Elle meurt plus vite là. Oh là là. Ils mettent 10 ans à mourir là.
T'aurais joué à Final Fantasy, t'aurais compris, ta monture ressemble à un chocobo, donc je me disais, c'est un... Ah ! Ça ressemble à un chocobo. Ah, lui, il a mis 10 plombs à crever. Hein. Alors, ensuite, on va au temple. Ah, il y a les glandus qui font leur ronde là. Ils m'ont laissé avec le chef et puis ils se sont barrés, c'est bien. Ah mais laisse-toi mourir toi. Merde. Bon bah voilà. Non, il est encore là lui. Ok, bon. Une bonne chose de faite. Allez, mais meurs. On peut pas les looter tant qu'ils sont pas vraiment morts en fait. Si on peut éviter le Black Covid, ça m'arrangerait. Je ne vois personne depuis un an et mon ex respecte moins que moi. J'ai invité sa meilleure amie samedi dernier. J'étais testé positif aujourd'hui. Putain. Les premiers symptômes hier, donc quel contact. Si elle respire bien ce soir, j'ai peur pour en vrai. Ah merde, je suis désolé. Vraiment désolé. Je ne savais pas. Mais ok, pas de... Pas de Black Covidaire ce soir du coup. C'était la dernière. Allez, descends de ta monture. Ah mais il me suit parce que j'ai le merdier en fait dans la main. Ah. Ouais, je sais. Je vais la chercher. Ouf. Vite, il faut tout faire disparaître. Ça sent le mec qui a fait une connerie, ça. Le chef de chantier qui a fait une connerie, quoi. Vite. Merde. Vite, il faut tout faire disparaître. Regardez ce que je vais faire. Je monte sur mon machin. Je saute. Je descends. Merde. Merde, je vais crever. Il faut que je le bute. Ah ça y est. J'ai plus de mun. Et merde. Il est où le troisième? Il est en train de se barrer ce petit con. Ok. Oh mais j'ai plus de munitions. Oh là là, va falloir. je vais faire ça en boucle. Hein. Donc là, je venais pour la dynamite, mais je ne peux pas. Et je reste planté là. Because. Il est où, Guy? Reviens. Reviens, machin. Allez. Voilà.
Bon. Il faut que je retourne acheter des munitions. Et enfin fabriquer des nouvelles. Je suis à fond là. Là je... Si vous pensez que je me traîne exprès pour faire chier, non, je suis à fond. Oh, mais si j'étais pas mort comme un caca. J'ai exterminé la moitié de l'armée là. Mais je suis mort comme un caca sur deux débiles quoi. Faut quand même penser à sauvegarder. Pour éviter que ça nous arrive de nouveau. Encore et encore. Sans cesse. Vas-y, attends. Ah là, mais machin. Merci. Approche un peu, tu veux? Allez, oui. Non, je les ai tous sauvés. Ils sont tous. Oh, allez. Bien. J'ai fait tout. Allez, de la thune. File-moi de la thune, machin. Merci. Nickel. Bon. Ma commande. C'est fini? Oui, oui. Merci. Pourquoi on peut pas lui acheter directement? Fabriquer cela. Allez, redémunition. Ça suffira? Ouais, oui, ça suffit. Allez. Ça suffit. Ça suffit, on a marre. Oui. Hop. Génial. Je vais remonter sur mon bazar là. Viens là, bazar. Je vais me soigner aussi parce que. C'est bien joli, mais j'ai pas envie de recrever. Eh, je peux monter maintenant là, sur le truc là. Avec mon cheval là. Si. Avec mon cheval, je peux monter. Allez. Regardez ça. Merde, je peux me casser la gueule aussi. Ah. Allô? Allô, je suis où? Ah, putain. Caméra. Allez, saute. Allez, débile! Mais non! Non, mais je vous jure, je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Ah, c'est bon là, on y est presque. Regardez. Oh là là. Non! Il a voulu se suicider, ce con. Ah, tombe pas. Hein. Merci. C'est quoi les gros œufs là? Vous croyez que je peux les casser? Faire une grosse omelette? Non, c'est bon. Oh là là, on a la vue sur tout là. Non, et puis Avorpal, il ose me dire c'est moche. Non, mais il ose dire c'est moche. Regardez ça. En 99, hein. Comment on fait pour redescendre là par contre? Parce que. On va se casser la gueule un peu, non? Ah, le truc à l'arrache.
Eh, j'ai toujours pas sauvegardé, hein. Ils m'ont pas vu. Les pires gardes du monde, hein, quand même. Hein. C'est... Je me trimballe sur une créature de 2 mètres de haut, là. Avec mon t-shirt bien orange. Et ils voient rien. Et genre, ils voient que dalle. Matériel médical, où ça? C'est pas grave, on s'en fout. Allez, descends de ton cheval. Je vais parler à machin. Hey, salut. Oh, comment ça va? Ravi de t'avoir vu, Lukai. Tu nous excuseras, mais il y a eu... Hop, qu'est-ce qui est arrivé? Que s'est-il passé? Lukai. Ah bon? Oui. C'est quoi cette histoire de Gorgor? De Gorgor? Dire que je suis si près de l'endroit où il dort et que je suis encore vivant. Seuls les chemins viennent au temple de Ka. Mais même eux ne s'aventurent pas derrière. C'est la meilleure couleur. Ça a l'air dangereux. Depuis que ça... Oh oui, ça il dort en ce moment. Mais on dit que lorsqu'un talent dit... Faudrait peut-être que je vérifie cette légende. Non, Lukai. Qu'est-ce que je peux... Non, parle-lui. Parle-moi. Où y a-t-il de la dynamite? Parle-moi. Dans ton sac à dos. Éloigne tes... Pour le coup. Je vais... Je te dis de te barrer. Sauvez-vous, ou Lukai veut faire quelque chose. Barrez-vous. Barrez-vous, les gros nuls. Mais non, mais à chaque fois. Mais non, mais alors, j'arriverai jamais. Ah, les touches, elles sont... Alors, la dynamite. Hop. Et ensuite, le flingue. Voilà. Hein? Ah oui, d'accord. Alors, c'est ça, bon, c'était de l'explosion, non? Oh oui, je suis ravi qu'aucun Talan n'ait été tué. Tu es vraiment aussi grand qu'on le dit, et je te remercie 1000 fois. C'était rien. Je te prie d'accepter ceci, Lukai. J'aurais aimé pouvoir faire plus, mais tous les Talan loueront ton courage. Nous devons retourner au champ maintenant. Et ben voilà, ma fille de la thune, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-haut du coup? Super, ça me file rien. Ah là là, regardez, c'est comme si on pouvait mettre quelque chose dedans. Mais je sais pas quoi. Allez, grimpe. Il y a de la végétation inconnue. Merde. Allez. Alors,
pensez que je peux faire exploser le truc là? La visée explosive c'était F5. Non, on peut pas déposer. Là dans les araignées j'arrête, hein. Ça me coûte ça me coûte trop de munitions. Par contre les autres là-bas. C'est avec un grand plaisir que je vais leur refaire le portrait. Mais il passe à côté, il récupère pas. Alors, ouais, salut hein. Bon, il a rien à me dire. Mais ah oui, ça. Là normalement j'arrive. Il y avait un truc explosif là. Oh mais la dynamite. Non 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 non. Putain. La dynamite. Voilà. Merde, ça m'a touché. Putain mais merde, je me fais défoncer. Mais bouge. Oh là là, il me gêne, il me gêne. Quel cadavre au sol là qui me gêne. Merde. Bon voilà. Oh là là. Twinsen. Tu as récupéré un super truc. Je suis en train de crever en fait. Non? Mais oui, j'ai plus de vie. Du coup. Attends. Deux secondes. Hop. Tu as récupéré un R comme Rabia. Et bah c'est tout de suite maintenant. R comme Rabia. Hop là. Meilleur achat. Meilleur achat comme d'habitude. Ok, du métal. Du heavy metal détecté. Où c'est que c'est-il qui va-t-il va falloir que j'aille. Je ne sais point. Il
Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Oh, regardez, là, ils sont pleins. Est-ce qu'on tente ? On va tenter. On va gamme saver d'abord. Ah bon, en plus, voilà, je trouve des ressources. Mais d'abord, gamme save. On va essayer de pas remourir comme un caca. Et ensuite, cassage de gueule. Même si effectivement ils sont beaucoup. Regardez, tout seul lui. Hop, un de moins. Merde, il y en a un là. Il me voit pas. Il me voit pas, il est débile. Allez. Tiens, un autre. Toi aussi, tu veux te faire casser la gueule ? Ça tombe bien. Oh, c'est bien, ils viennent tous là. Ils viennent tous pour mourir ici. Oh les génies. Oh les génies. Merde. Oh, il se cache. Vous avez vu l'IA ? Aïe. J'ai pris un coup. Il m'a touché. Salaud. Eh hey. Il commence à esquiver, hein. Ah mais là il y a les piranhas. Donc faut pas que j'y vais quoi. Et les piranhas. Ils sont où ? Putain, ils sont pleins encore. Est-ce que je vais avoir assez de... Est-ce que je vais avoir assez de mun ? Ils sont là. Pour casser la gueule à la main. Regardez-lui. Il faut rien. Sublime. Ouais, moi aussi. Ouais. Merde. Hop. Déjà. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ah, il est en train de casser la gueule de ses potes. Merde, 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 vite meurs.
Aïe. J'en suis où de ma vie? En fait ça fait chier, j'ai les... Ok. Non 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 mais non non non. Oh putain, et... tir de mortier là. Qui balance des mortiers. Allez, meurs toi. Oh. Non mais non mais non mais non 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 non. Putain. Non mais genre lui ça lui fait pas mal quoi. Genre lui, il me balance un mortier à bout portant. Mais c'est ok, lui il a pas mal. Dégueulasse. Oh, regardez. Vu qu'ils sont un peu cons. Vu qu'ils sont un peu cons, c'est ok. Merde. Putain, mais... Non putain, il y a quelqu'un derrière. Oh, je crois que j'ai buté un paysan. Putain, barrez-vous de derrière les paysans. Barrez-vous. Putain, y'a un paysan qui a pris cher. Mais... Je veux la carte, merci. Merci le jeu. Je suis désolé pour le paysan qui a pris. C'était pas voulu. Tu vises mal toi par contre. Et merde, j'ai pris. Tiens toi. Tu me balanceras plus de mortier. Merde, j'ai plus de vie. Oh là 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 là.
C'est vraiment pas sympa dans le coin. Hein. Hop, un de moins. En fait, ça fait chier quand il y en a qui sont en train de crever. On vise vers le sol. Regarde, il y en a qui me suivent là. Ok. Putain, mais ils arrivent à l'infini ou quoi là? Ok, encore un de moins. Encore un de moins. De moins en moins. Hein. T'essayes de t'enfuir toi. Oh non, non. Par toi. Ok. Eux ils sont morts. Y a plus que l'autre là. Hein? Ah non, d'accord, il marque lui, il est encore vivant, mais. Hein? Et bah voilà. Comment buter tout le monde? Je vais sauvegarder, hein. Juste après je sauvegarde parce que c'est une connerie de pas le faire. On a vu ce que ça donnait tout à l'heure. Hop. Je vais récupérer toutes les ressources. Alors, la clé. Oh, mais tellement de trucs. Tellement de trucs à récupérer ici. Salut, Dude Monty. Eh bah écoute, ça va. Ça va, ça va. On est toujours sur Outcast. Je me suis rendu compte à mes dépens qu'il fallait sauvegarder très régulièrement dans ce jeu. Sous peine de devoir refaire une bonne partie de ce que tu as déjà fait. Voilà, un bon jeu à l'ancienne quoi. Les sauvegardes automatiques, non, non, non. Ça, ça fait. Ok. On va regarder encore. Hein. Hey mec. Merde. Visé où? Zut. Ah les fameuses anciennes. Je me dis mais je suis un genou.
J'ai pas trop connu. Ah. Il est parti où? Il s'est barré. Ah oui, il s'est barré. Il est parti prévenir les potes. Alors, ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre maintenant? Partir à droite du... Oula. Ou risqué là. Non, c'est bon. C'était risqué. Alors, je vais récupérer mon chiffon sale là. Il est où? Normalement, il y a ma bestiole qui va revenir. Ils me font coucou là ou ils me font coucou? Ah, ils se disent au revoir, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression qu'ils se disent au revoir entre eux, non? Bon, bref. Ouais, va falloir que je rebute des araignées là. Et ça. Ok. Ah merde, elle est pas, mortelle. Ah, faisait la mort, t'as dit. Ah, son maline. Elles jouent aux mortes, mais elles sont pas vraiment mortes. Alors... Eh, j'ai pas sauvegardé encore. Je vais encore me faire avoir. Parfait. Ah mais non, ils font tous coucou là. Non ? As-tu vu une arme? Non, Lukai. Mais tous les talents le cherchent. Il est où? Il est où, Ilot? As-tu vu Ilot? Je crois il doit être au nord-ouest. Je le vois pas près d'ici. Alors, nord-ouest. Là, c'est l'ouest. Là, c'est le nord. Donc, c'est par là. Let's go. Ah, regardez, il y en a un qui est bizarre. Il y en a un qui regarde là. Ah, il m'a vu l'autre là. Celui qui court là. Je crois qu'il m'a vu. Salut petit débile. Voilà. Attendez. Merde. Hop, je vais économiser mes ressources. Hein.
ça vaut toujours le coup de leur casser la gueule à la main. Merde. Vas-y. Hein ? Il me passe à travers, d'accord. Ok. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas après tout ? Qui se regarde ? Eh, salut ! Eh, hey, machin, salut ! Bonjour, Lukai. Je suis Olas. C'est une bonne lune qui nous réunit. Merci. Est-ce que tu as vu sur ton trajet un Talan idiot suivi d'un animal se diriger par ici ? Je crois pas, non. Zort, Zort, Zort ! Désolé, Olukai, mais ce Zalinas va me causer des ennuis. Pourquoi Zalinas ? Que se passe-t-il avec Zalinas ? Je déteste t'ennuyer avec ça, Olukai. Mais cet idiot de Talan était censé me livrer un Twon A chargé de sacs de riz, et il est en retard. Ah là là. Et où est le problème ? Si les soldats de Croax remarquent que je ne suis pas à l'heure, ils peuvent me réintégrer. Zalinas m'a trop souvent mis en retard en essayant d'éviter que ces Twon A travaillent. Ils se fichent royalement de mon essence. Quand je verrai Zalinas, je lui dirai de se dépêcher. Merci beaucoup, Lukai. En général, il est au village, à s'occuper de ces Twon A. Que sais-tu sur les soldats qui sont ici ? Je vais te dire tout ce que je sais, Olukai. Ils sont tous basés au temple de fées. Ce n'est pas un simple temple dédié aux yod fées. Ils viennent tous de là. Il y a deux Naoka au centre du temple, mais chacune conduit à un camp militaire situé dans une autre région. À part ça ? Avant de les combattre, tu veux peut-être les observer. Parfois, les soldats se réunissent dans un camp. C'est le meilleur moyen d'en trouver plusieurs à la fois, Olukai. Dis-moi plus sur le riz. Avec plaisir, Olukai. Nous cultivons le riz dans le Chamazar. Autrefois, les champs nourrissaient tout Adelpha. Aujourd'hui, Croax prend tout pour que ses soldats restent forts. Et vous ? Vous n'avez rien ? Suffisamment pour survivre et travailler, Olukai. La plupart d'entre nous travaillent dur par peur d'être réintégrés. Il n'y a rien que nous ne souhaitions plus qu'arrêter de travailler et regarder les soldats de Croax mourir de faim. Eh ben on va essayer de faire ça. Bon, il y a un soldat qui est passé, qui a fait une ronde et puis il m'a pas vu. Hein. Tant mieux, je vais aller parler à Zalinas pour dire hey, « Eh mec, merci mais t'es pas cool quand même. Y a tes poteaux, ils t'attendent. » qu'est-ce que tu branles ? C'est évidemment une question rhétorique. Hein. Ah là, en fait, oui, ils commencent à bien m'aimer, en fait. C'est pour ça qu'ils font des signes de « Ouais, ouais !» quand je passe. Je vais récupérer... pendant que j'y suis... La commande ? Tu as fini ? Oui, Uluka. Merci. Merci, mec. Ça suffira ? Vas-y, fabrique ça, s'il te plaît. Allez. Oui. Merci. Zalinas, viens là. Non, il y a des ressources. Il y a des ressources. Faut que je prends les ressources avant. Et après, j'essaie de rattraper Zalinas. Putain, le mec, il marche, moi, je cours. J'arrive pas à le rattraper, quoi. Hé, hey, machin. C'est Zolas qui m'a envoyé. Ça fait un bail qu'il attend son Twon A. Oh, Zort, j'ai encore oublié. Je déteste les conduire au champ et les voir travailler. Hé, hey, ça me brise le cœur. Tu pourrais l'emmener à ma place, Olukai. Je t'en serais très reconnaissant. Ah oui. Bon, s'il le faut. Oh, merci, Olukai. Je te le revaudrai. Qu'est-ce que je dois faire ? Prends ce gui.
tant que tu le garderas dans ta main, le Tuona te suivra. Mais si un combat lui fait peur, il s'enfuira. Et là, tu auras du mal à le retrouver. Oh la vache, qu'est-ce que ça pue ? Oh ! Où est le Tuona ? Le Tuona en question est en train de se reposer dans l'enclos, au centre du village. Il me l'a filé le machin ou pas ? Non, putain. C'est lequel ? Merde. Regardez, il me suit. Regardez ça. Trop chou. Trop mignon. Allez, viens. Viens, mon gros. Il est où ? Ah, il est là. Par là. Allez, viens par là. Ah, mais... barre-toi, toi. Alors... Non, mais c'est bien, mais vu que j'ai cassé la gueule de tout le monde, en fait... Il y a peu de chances qu'il y ait un combat. Il me suit toujours, hein. Ouais, il me suit toujours. Hop. Lève-la. Approche un peu, tu veux ? Hé, Zolas, j'ai quelque chose pour toi. Tu l'as ramené ? Mais je ne comprends pas. Où est Zalinas ? Il n'a pas voulu le faire. Non seulement son essence est débile, mais paresseuse aussi. Un jour, il aura ma réintégration sur la conscience. Désolé de t'interrompre, mais tu veux ce truc ou pas ? Ça commence à puer grave. C'est vrai ? Je peux le prendre. Ah oui ? Je t'en prie, prends-le avant que cette puanteur ne m'achève. Merci, Ulukai. Je dois travailler maintenant. Dis à Zalinas que je serai menacé s'il est à nouveau en retard. Pour te remercier, je vais te dire un secret. Dans la boue, tu verras des petits bâtons dépassés. Sous ces bâtons sont cachés des objets sacrés. Puissent-ils t'être utiles ? Ça, je savais déjà. Putain, l'astuce qui sert à rien. Oh, l'astuce nulle ! Le mec, il m'a dit un truc que je savais déjà depuis des plombes, quoi. Oh là là. Super. Il y en a un qui fout rien là. Regardez, il y a lui. Tantalan, pas comme les autres. Je peux te poser une question ? Merde. Salut. Ulukai ? Ulukai est venu me demander conseil ? Ok, je veux bien t'aider si tu m'emmènes combattre avec toi. T'es pas un guerrier, n'est-ce pas ? Je suis le meilleur guerrier en puissance de tous les gardiens de l'Otai. Je ne sais pas pourquoi Zokrim me fait compter le risque. Bon, tu veux vraiment venir avec moi ? Après tout, j'aurais peut-être besoin de toi. Ah ben... J'aimerais bien, Ulukai, mais je me suis tellement battu... Je ne veux pas te voler ta gloire. J'ai eu ma part, en secret, bien sûr. Comme pour ce travail, d'ailleurs. Tu sais où je pourrais trouver de la dynamite ? Oui, c'est moi qui l'ai cachée, et j'ai eu peu de temps pour le faire. Quoi ? Je courais vers la gauche, mais il y avait des soldats. J'ai regardé à droite, mais là, Ferran en personne, venez vers moi. Contente-toi de répondre, Shakespeare. Alors, prenant mon essence à deux mains, je plongeais dans l'eau infestée de Sankar. À travers l'eau trouble, j'ai pu distinguer une énorme forme au loin. Était-ce un horrible prédateur qui voulait me dévorer ? Oh, jamais ce Bond. Reviens sur Terre. Jamais ce Bond. Ah, j'ai oui. eu l'impression de retenir ma respiration jamais ce Bond. Pendant toute une lune. J'éloignais les Sankar d'une main, et de l'autre, je tenais mon précieux butin. Sans aucune hésitation, j'ai nagé vers cette énorme forme. Comment est-ce qu'on l'arrête ? J'avais des crampes dans les doigts,
Il m'a vu se brouiller. Mais j'ai continué à nager vers le danger. Puis je l'ai vu. Cette forme était en fait l'épave du bateau que Croax utilisait pour patrouiller sur les eaux. Et qu'un Talan d'un grand courage a détruit. Ouf, c'est quand la coupure pub? Les poumons sur le point d'exploser, j'ai placé ma cargaison dans l'ombre de l'épave. Et je suis remonté à la surface où se trouvaient une vingtaine de soldats qui regardaient dans ma direction. À côté de l'épave? Tout ce speech alors que ça tient en quatre mots? À côté de l'épave? Tu ne m'as pas demandé comment j'avais caché la dynamite? C'est lui en fait. Non, juste où elle était cachée. Ah, à côté de l'épave. C'est Patrick Poilet. Putain, je crois que je vais finir par bosser gratos pour Ferran, moi. Mon histoire t'a pas plu? Donc effectivement que ça te rappelle la voix française de Bruce Willis, parce que c'est ça, c'est ça. Non, c'était Patrick Poivre. Dis-moi en plus sur ton travail de compteur de riz. Ce crime m'a chargé d'une mission secrète. Dans le... Je dois surveiller les approvisionnements de riz pour les soldats de Croax. C'était vraiment un très bon comédien. Oui, style additionner, soustraire. Non, ce qui est encore plus dangereux, c'est de savoir qu'on peut être découvert et réintégré à tout moment. Mais j'ai l'habitude. Ah bon? Oui, j'ai aidé un groupe de Talan à mettre le feu à un entrepôt de riz la lune où on a appris que tu arrivais. Déconne. Mais personne ne le sait, même pas mon allié. J'en suis très fier. Nous avons affaibli les soldats, au moins pour une lune. Mais je suis sûr qu'ils ont peur de moi maintenant. Sans doute. Ah mais faut que je fasse péter les merdiers en fait, j'ai l'impression, non? Ah, en fait, je me demande si les entrepôts là qui sont gardés, enfin les trucs là, s'il faut pas que je les fasse exploser en fait. Ça me paraît très logique. Vu que je demande toutes les deux minutes où est-ce qu'il y a de la dynamite. Allez, cassage de gueule. Allez, la dynamite, vise la dynamite. La dynamite, mec. Ok. Non mais clairement ce jeu, il y avait, il y a eu du budget. Il y a eu plein de choses bien qui ont été faites. Et utiliser, enfin, embaucher des vrais comédiens de doublage, c'est quand même super chouette quoi. Mais c'est bien, ça donne l'ambiance du jeu, quoi. Vraiment, s'il y avait eu des doublages un peu merdiques, le jeu aurait été quand même vachement moins bien, quoi. Là, globalement, les doublages sont vraiment de bonne qualité, quoi. Alors, je saute. Bon. C'est parti. Bouge pas. Bouge pas. Il se fait canardier, bouge pas.
Non, 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 non. 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 Merde, c'était quoi la dernière fois que j'ai enregistré? Oh, ça va être chiant, ça, par contre. Ça va être méga chiant. Hein. Oh putain, c'était là. Oh là là. Oh, méga relou. Honnêtement, ça va être méga chiant, ça. C'est l'un des pires trucs du jeu, quoi. On va s'emmerder à cause de ça. Hein. Ok, un de moins. Du coup, c'est pas grave, on fait pas dans le même sens, mais... Oh, le mec, il a tout évité. Allez, petite économie de munitions. Non, 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 non. Il y a le mortier là. Bon, reviens là toi. Viens mourir. Alors, ils sont ouf. Il y a un mortier qui est parti à gauche là. Non mais arrête de viser les pieds, arrête de viser les pieds. C'est chiant. Non, 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 non. Non. Putain. Vire-moi les trucs là.
Oh, j'ai bourré, j'ai tellement bourré. Oh, et j'ai plus de balles. Je vous promets, j'ai plus de balles. Ils sont encore 150, j'ai plus de balles. Comment c'est possible que j'ai plus de balles? Hop, et de 1. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Allez, venez. Venez vous battre. Quoi? Ah, on est mieux. Et merde, merde, merde! Les caméras aux fraises là! Putain, mais ça. Ça touche pas! Vite! C'est bon, il a tué son copain là. Oh là là. Quel chéri les amis, quel chéri. Allez. Alors, comment je fais? Comment je m'en débrouille là? Viens là toi. Merde, 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 merde. Putain, mais il m'en balance combien des mortiers lui? Oh, et la caméra qui est aux fraises quoi. Hop. L'autre connard avec son mortier, on va lui casser la gueule là. Ça va être une bonne chose de fait ça. Yes. Oh, t'as pris mais tu mérites hein. Ok, ça c'est bon. Il y en a encore d'autres. Y'a la clé, y'a la clé. Non. Aïe. Aïe! Bon, si je me cache. Hein. Bon, c'est ok. On a cassé la gueule de pas mal. Ah bah, des munitions. Super.
que je cherchais. Eh bah dis donc. C'est pas évident hein. Ah, j'ai découvert une pierre étrange. Qu'est-il donc ? Alors, allez, non mais... Oh, il se coince. Oh, il se coince. Quel gros naze. Ah, regardez. Hein? Quoi? Il meurt pas, ce con? Ok. Je vais pas... Hop là. C'est quand même bizarre. Bon, toi t'es mort. Non, pas encore. Putain, mais ils sont tous revenus à la vie ou quoi? Ah merde! Putain, il m'a tiré dans le dos, enfoiré. Lui il est câblo, lui. Il est où son pote? Il est là. Ouais, c'est ça. Fais le malin. Voilà. Vas-y, fais le malin aussi, toi. Voilà. Hop là. Ah, on rigole moins, hein. Comment je vais au milieu là? Il y a lui qu'il faut que j'arrive à avoir là. Ah merde. Comment je vais me débrouiller? Je sais pas. Bon allez, je vais parler à machin. Comment ça va? Ta présence. Voilà. Je. Tu sais où je pourrais être? Je. Merci bien. Fais. Dis-moi en plus. Tout le. Ça me paraît pas. Non, Urukai. Mais nous, gardiens, nous essayons dès que. Pourquoi?
Croax a mis en place un chef très bête mais très royal du nom de c'est Mar. Pas le même. Celui-ci dénonce les talents. Y'a rien à faire? Par exemple. Bah. L'un des chamas essaie de gagner la confiance de Mar. Lorsqu'il était ouvrier, Mar s'est souvent fait battre par les soldats. Il s'est mis. Cette tactique me. Il faut que Mar soit de notre côté. C'est peut-être le plus bête que j'ai jamais rencontré, mais les Talan le craignent. Si c'est le seul Talan qui vous arrête, pourquoi? Les Talan estiment que la violence n'est pas un bon moyen. Ils veulent pas le buter. Personne. Je l'attendais, celle-là. Ok. S'il vous plaît, monsieur. Salut. Bonjour. Merci. Est-ce que tu... Je crois. Zor. Que se passe? Allez, Xaïnas. Je déteste. Et où elle... S'il... Quand... Merci. Que sais-tu? Je vais... À part ça... Avant de... Dis-moi en plus. Avec... Et vous... Suffit. Ok, bon. On refait la quête. Oh là là. Quelle année ce jeu? Ah merde, désolé Dude Monty, j'ai loupé ta question au moment où tu l'as posée. Quelle année le jeu? 99. Alors, il est sorti d'origine en 99. Et là, on est sur la version 1.1. Et qui est en fait une recompilation du jeu pour tourner sur des machines modernes. Et avec une résolution vachement plus élevée que la version de base, quoi. Donc c'est un peu plus joli que ça ne l'est à l'origine. Pas des masses d'ailleurs. Hein. C'est quand même assez proche de l'origine. Mais et voilà, ça reste vraiment le jeu de base, quoi. Et il y a un remaster qui est sorti qui s'appelle Outcast Second Contact, je vais y arriver. Et qui est vraiment moteur refait et tout, du gameplay un peu amélioré. C'est Zolas qui m'a... Oh zot, Jean. Hey. Tu pourrais... Mais là ouais non c'est... Bon, c'est Outcast 1.1. Oh merci. Qu'est-ce que je dois... Allez le truc qui pue, vas-y. Merci. Oh la vache. Merci. Donc ça c'est ok. Donc ça du coup faut que je les fasse péter ou pas? J'hésite hein. Alors, ma commande. Tu as fini? Oui, Uluka. Fabriquer. Les munitions. Ça suffira? Oui. Hop. Je vais te faire en sorte de tout le temps avoir une commande de prête, tout ça, parce que... Ah, il est là. Viens, viens mon copain. Allez, viens. Ah, mais c'est vraiment cool que le... Que la sauvegarde soit intégrée dans le gameplay du jeu, quoi. Mais par contre, ouais, l'absence de sauvegarde auto, ça pue quand même. Ça fait quand même sacrément chier.
peut-être obligé de se retaper des phases de gameplay. Tu me parles, toi, ou pas? Merci. Hey Zola! Tu l'as ramené. Il n'a pas voulu. Non. Désolé. C'est. Je t'en prie. Est-ce que je lui donne? Oui. Hop là. Merci. Eh ben, de rien. Mais lui, faut que je le bute à la fin. Là. C'est chier, là. Le pauvre, il souffre. Il souffre dans le mur, là. Ça se voit. Il faut mettre fin à ses misères. Et barre-toi. Barre-toi, le truc. Mais merde. Allez. Ça aille. Le pauvre. Le pauvre, il souffrait. Alors là, c'est machin avec son histoire. Salut. Tout fait péter à côté là. Ouh. T'es pas un guerrier. Je suis le meilleur. Bon. Ah. Tu sais où je. Quoi? Je courais. Oui, oui, oui. Alors. Oh. Je. Comment? Je. À côté. Tu... Ah. Allez, 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 oui, oui, oui. Ton histoire, elle est super. Dis-moi en plus. Ce crime m'a chargé d'une mission secrète. Je dois surveiller les approvisionnements du RIS pour les... Oui. Non. Ce qui est encore plus dangereux. Ah bon? Oui. J'ai aidé un groupe de Talan à mettre le feu à un entrepôt de RIS, la lune où on a pris... Des codes. Mais personne ne le sait. Même pas moi. Sans doute. Eh, voilà, a priori, il faut les faire péter, hein. C'est quoi ce machin? C'est quoi l'oiseau là? L'autre il a rien vu là, il y a son pote qui vient de se faire buter juste à côté de lui mais... Tiens il a sonné l'alarme ce con. Les deux, trop bien. Trop bien. Merde. Hein? Mais non, mais... Arrête d'être con.
Eh ben dis donc. Alors que je sauvegarde avant de me faire casser la gueule. J'aime bien la musique toute douce après. Bien wesh, merci, merci. J'ai un peu paniqué, mais j'ai réussi à les avoir. Maintenant, la question c'est, est-ce que je dois faire péter les entrepôts ? Alors, une clé. Non, 6 clés j'ai. Les bonnes grosses clés sa mère. Et après, je sauvegarde et j'essaie de faire péter le truc. Allez, ramasse ça. Allez. C'est bien. La clé des essences. Oh là, j'ai pris la clé de l'essence. Alors, petite sauvegarde. Avant de crever. Et après, j'essaie de faire péter l'entrepale. Donc, pour faire péter un entrepôt, c'est simple. Vous prenez la dynamite. Vous mettez la dynamite. Et après, vous sortez. Vous prenez votre flingue. Et pour la dynamite. A priori, c'est pas ça. Bon, c'était pas ça. Je m'attrompis. Faudrait que je regarde sur une solution si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Ça me semblait logique hein, parce que depuis tout à l'heure il m'en parle de ah là là machin. Il y a le truc là. Faut plus que l'entrepôt fonctionne donc ça me semblait logique que c'était faire exploser le truc. Mais bon, a priori. Je me suis fourvoyé. Hop, là il y a les nuls. Ils sont nuls. Ah ! Ah non mais genre. Genre il y a le bestiau là. L'oiseau de malheur là, il m'a cassé la gueule. Cutter Slade pour un super marine tip top moumoute se coince quand même devant des conneries hein. Là il y a une marche, il fait ah non une marche je ne peux pas passer par dessus, c'est beaucoup trop compliqué.
un peu l'impression qu'il se fout de notre gueule, hein. Bah oui, évidemment. Quoi, il y a encore un mec là-bas ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce qu'ils foutent là, les deux, là ? Les deux débilous ? Bon, bah voilà, un de moins. Mais barre-toi. Voilà. Merci. Hop. Bon, je vais pas tarder. Je vais essayer de prendre le... Je vais essayer de prendre possession là de la partie centrale là. Et puis après, je pense que je vais arrêter. Tiens. Tiens, petit mec. Viens là, toi. Viens là. Oui, il s'en va. Regardez. Il fuit. Non, mais lui, je pourrais lui casser la gueule. Sans arme. Putain, il fuit vraiment, hein, ce con. Hein. Il veut pas se faire casser la gueule, hein. Allez, faut mourir maintenant. Hop. Il est où l'autre? Allez, viens de faire casser la gueule aussi, toi. Oh, il a esquivé. Trop fort, il a esquivé. Schlasse-le. Ah là là, mais quelle méchanceté. Ça manque d'armes blanches. Bah, il y a mes poings. Mes poings sont des armes blanches. Aïe. Non. Je refuse de mourir. Je refuse. Il est coincé. Alors, paf. Non, merde. Oh putain, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Je me suis fait une picousse pour rien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh là, la caméra, des fois, elle est complètement aux fraises. Hein. Comme le streamer. Hein. Pareil. Les mêmes. Oh, des petites portes des étoiles là. Hop, de la tunance. Ah, une clé là-bas.
Il y a une clé dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est. Ah! C'est risqué là. Si je me casse la gueule, je vais me faire bouffer par les merdouilles là. Non, ça va. Ah! Bon bah je vais faire le tour. Hein ? Ici ? Au-dessus ? Bah oui. C'est possible. Allez hop. J'ai pété une jambe là. Oh, j'ai vraiment cassé la gueule de tout le monde dans le bled. Hein. Y a plus personne dans le bled quoi. J'ai cassé la gueule de tout le monde. Mais là je vais pas y aller là-bas, il y a les piranhas, Je vais pas aller me faire becter pour de conneries quoi. Aïe. Je suis tombé. Tombé. Ils ont dit par contre traverser les portes que si vous êtes vraiment prêt, parce que derrière c'est la garnison quoi. Ok. Bon, voilà, là-bas il y avait du métal, j'ai pas vu. Oh, dynamite, dynamite, derrière. À fond la dynamite. Ok. Là il y a encore d'autres mecs là-bas mais il y a les gardiens donc je peux pas y aller. Où est-ce que je suis pas allé encore? Bon allez, je retourne au village et puis je vais rater. Ça aura déjà été une bonne session, j'aurais refait les mêmes trucs 12 fois parce que j'ai pas sauvegardé. Ouais non, c'est un coquillage, on s'en fout.
ton match-up là, c'est vrai. Non mais clairement, ça va être... Je pense qu'il va y avoir 2-3... 2-3 petits moments de rage. À cause des sauvegardes. Hein. Vraiment, ça va être les petits moments... je viens de perdre une heure de jeu. Attendez, c'est qui lui? Allô, viens là copain. Regardez. Il est pas comme les autres, lui, il est en bleu. On peut se voir un instant? Ah. À propos de ce Twan A que je devais livrer à Zolas. Oui, Ulukai? Zolas m'a chargé de te dire de suivre la cadence avec les Twan A. Il prend du retard sur son travail. Son travail, c'est tout ce qu'il sait dire. Il n'a donc aucune pitié pour les Twan A? Il est probable que sa propre vie lui importe plus. Que veux-tu dire, Ulukai? Rien. Tu m'as parlé d'une récompense, non? Ah, la récompense. Oui, je tiendrai parole. Je te donne cela pour te récompenser. Allez, encore de la thune. Allez, au village. Approche un peu, tu veux? Sais-tu quelles sont les raisons? Soldat fort! Parle-moi. Très. Comment? Si. Ouais. Mar. Non! Pourquoi? Ils veulent tous que la. La pierre. Bah ouais, mais la pierre d'essence. Moi j'ai pas la clé des essences là? J'ai de la dynamite, EVD, proxy, la clé des essences. Ah, c'est en plusieurs morceaux, d'accord, ok. Une clé des essences, les medkits, la gamme save, la pierre étrange. DF Link, je ne sais pas ce que c'est. Du métal, de l'hélium, des coquillages, des machins. Des trucs et des bidules. Ok. Bon. Et bah... Cherchage de munitions. Je peux te poser une question? C'est prêt ou pas? Oui, Ulukai. Je vais en refaire faire d'autres. Direct. J'ai trouvé d'autres trucs. Tu peux fabriquer ça? Oui, Ulukai. D'accord. Peux-tu fabriquer ça? Tu peux fabriquer ça? J'en ai déjà vu, oui. Apporte-moi. Ok. Peux-tu fabriquer? Tu peux fabriquer ça? J'en ai déjà vu, oui. Tu peux fabriquer ça? Oh, mais il y a un lance-flamme, non, ça? Oh, apporte-moi ces objets pour que je t'en fabrique. Fabriquer cela. Ça suffira? Oui. Ok. Hop. Sauvegardage. Quoi? Un truc que j'avais pas chopé? Ça repousse, j'ai l'impression. Ok, bon allez hop. Tac. Il y a un truc qui est pas traduit.
C'est quand on va sur quitter. Ça marque en anglais si do you really want to quit?